C'est juste pour parler de ce livre qui va sortir dans 10 jours normalement, dans 2 semaines, qui s'appelle Le débat pour tous, mariage contre manif, hein, voilà, qui est un assez gros livre qui parle en fait de tout le débat pendant les 6 derniers mois, disons-le, enfin depuis le début un peu souterrain avec les manifs, les contre-manifs, avec des tweets, des contre-tweets, des dérapages, voilà, c'est des pages noires comme ça, les dérapages des deux côtés, et voilà, c'est pas un livre manifeste dans le sens où on a vraiment essayé de donner la parole aux deux parties. Alors on a eu un peu de mal parce que certaines personnes n'ont pas trop voulu nous donner leurs opinions, ce qui est dommage, mais on a vraiment essayé de représenter au mieux ce qu'a été ce débat qui a commencé à l'Assemblée, qui est passé par la rue, mais surtout qui a été très très vivace sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc on a essayé de faire de notre mieux pour pouvoir avoir un peu tout. Ça sort aux éditions Steinkiss, voilà, ça va coûter 21,50 €. Qu'est-ce que c'est, 21,50 € quand on sait ce qu'on sait. Et voilà, il y a vraiment plein de gens dedans. Il y a Benoît XVI qui a fait une petite citation. Il y a Erwan Binet. Il y a Virginie Despentes. Il y a du Civitas. Il y a Maître Eolas. La Fédération protestante de France. Enfin, vraiment, on a essayé d'avoir un peu tous les gens qui se sont exprimés sur le sujet de ce débat. Donc voilà, le débat pour tous, mariage contre manif. Et ben, on espère que ça intéressera tout le monde. Moi, évidemment, je suis pro, mais dans ce livre, j'ai essayé vraiment de mettre ma sensibilité un peu en écart, même si, bon, j'ai des contributions dedans qui sont très pro. Voilà, et ben, le livre est super beau, il est très très chouette. Voilà. Il est très gay, sans être gay. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Et donc, il sort dans 2 semaines. Achetez-le, ou au moins lisez-le.